Et coucou mes auditeurs-fils, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc bienvenue à la chaîne Mika Turf, l'étude des quintés. Donc demain ça sera à Auteuil, une belle course, groupe 3, sur la grande piste de 4300 mètres, course de haies. Et parmi ces sauteurs, il y a des très bons sauteurs qu'on connaît très bien. Au total il y aura 20 partants. Donc un handicap 20 partants. Toujours pareil, attention à la loterie. Vous connaissez maintenant mon idée par rapport aux handicaps plats et... Donc voilà, on connaît, c'est des chevaux de quinté aussi. Hein. Auto-promise, Carrasi, le grand départ, Plumeur, on connaît tous les 20 chevaux. Après, voilà, à partir du 10, 17, 20, on connaît moins, mais voilà. Donc mon tableau. Voilà. Maintenant, c'est nouveau aussi. Là. Vous voyez Max. Vous connaissez maintenant les trotteurs, ma passion. Je mets ces quatre pronostics. Je rajoute pour faire ma sélection aussi. Donc voilà, ma sélection. Donc on va tenter un peu un favori et quelques outsiders. Ça peut payer demain. Donc mes trois bases, le 4 Garasil, entraînement François Nicole, a fait une très belle rentrée. Donc pour moi, je pense que il va pas viser loin demain. Je pense que ce groupe 3, François Nicole, quand il court des courses à gros gains, attention. Donc Garasil dans ma base. Après, je vais mettre le 5 Grand Départ. Je vois sa cote à 28 contre 1. Merci pour l'instant, le PMU. Hein. Il faut savoir que ce cheval a couru déjà des nombreux groupes 3. Et a couru un lot. Il fait 5e de bon cœur, Crystal Beach. C'était l'année dernière, mais on peut voir le niveau de Crystal Beach maintenant. Hein. Donc avec Meriane sur le dos. Attention, Meriane vient de gagner un quinté dernièrement. Voilà, donc moi pour moi ce 5 de suite dans mes bases, il sera entre 28 et 30 contre 1. Après je vais mettre le 6 Plumeur. Plumeur aussi, cheval de groupe. Voilà, qu'on a couru contre Cobra de l'Arrêt, De Bon Cœur, Galopin Marin. Moi je rajoute de suite dans mes trois bases. Donc 4, 5, 6. Voilà, ça se suit. C'est pas fait exprès. Des petits numéros, 4, 5, 6. Voilà mes trois bases. Après je vais mettre le 19 Jamie de Lille. Moi je le mets parce que c'est un entraînement Roland. Il est en forme actuellement. Vient de gagner le Grand Prix de Président. Vient de sortir un crack Crystal Beach. Logiquement favori pour gagner le Grand Steeplechase de Paris. Voilà. Donc rien que pour l'entraîneur Marcel Roland, moi je mets ce 19. Il est bien situé au poids. Il aime Auteuil. Attention. Et j'aime bien ce 13, Jean-Luc. En plus, c'est un homme, mon collègue. J'ai dit, c'est un signe. Il adore Auteuil, pardon, en forme. Voilà, moi je le retiens. Attention à ce Jean-Luc. Et bien sûr, je retiens le 14 qui sera en vue. El Queen. Pareil, lui aussi, comme Jean-Luc. En forme, il adore Auteuil. A fait une très belle course dernièrement dans un quintet. On le retient. Et en cas de non partant, j'aime bien aussi ce 16. Voilà. Parce que ce 16, c'est un entraînement cotin. Et ce 16, si il saute pas on va dire la dernière haie où il y avait Belle Promise pardon, qui gagne le quintet, elle pouvait faire plus près que 5e. Donc voilà, pour ce 16, comme je donne que des pronostics en 6, c'est mon petit regret. Voilà, mais vous pouvez le mettre dans vos multis et ceux qui font des quintés en champ, quoi. Voilà, pour le quinté de demain. Le débriefing d'aujourd'hui. Alors, avant tout, 2 minutes, je dois appeler Théo Duval d'Estaing. Théo, ouais, tu peux me donner ce que je t'ai passé hier? Hop là, attendez, je prends, merci Théo. Je voulais prendre une carotte, mais c'est même pas une carotte qui vous a mis ce soir.
Ah, je sais pas si vous voyez, il faut que je fasse ça. Voilà, un bon petit poireau. Ah, peut-être comme ça, vous allez voir. Voilà, Théo, merci. Je t'ai passé hier, mais je vois que tu t'es bien servi ce soir. Voilà. Hop là. Merci Théo pour le poireau. Je voulais prendre une carotte, mais c'était trop petite. Donc, pour ceci, c'est Carnaval du Vivier. Hier, j'ai fait une vidéo en live. Allez la regarder. J'étais pas chaud pour ceci, ça. Tout le monde était chaud pour ceci, mais bon. Quand ça arrive, les choses, je suis content. Après, bien sûr que ceci, s'il pouvait gagner. Et tout le monde me recettait dessus. Mika, tu as vu, tu avais tort pour ceci. Mais comme par hasard, ils viennent pas me dire bravo Mika pour ceci. Aucun message pour l'instant. Ça m'étonne. Je pense que si ceci aurait gagné, vous inquiétez pas que j'aurais beau nombre de messages en disant Mika, tu as tort, tu as vu, patin, couffin. Là, silence radio. C'est pas grave. Bon, de toute façon, je cherche pas de la reconnaissance. Comme je vous ai dit, moi pour moi, c'est la passion. Et quand je fais une vidéo live et quand je dis attention, ça sent la carotte, c'est pour quelque chose. C'est l'expérience, mes amis. Voilà. Parce que quand les favoris d'un quinté avec des chevaux comme ça, comme Alinea, Bamour, Visitor, Joclès, que je vous ai donné, regardez. Voilà, mes trois bases. 100%. Vous partez avec ça. Si vous faites un champ, vous avez déjà le quinté en désordre, si vous voulez. Voilà. Même carter en désordre, parce que voilà, en 6 chevaux. En 6 chevaux, je vous donne tiercé désordre, quarté désordre, les couplets gagnants, les couplets placés, les multi-quatre. Vous prenez mes trois bases, regardez. Et vous faites ces 4 chevaux derrière. Vous avez du multi-quatre, multi-cinq, multi-six, multi-sept. Rien qu'en prenant mes 100% bases. Voilà, Alinea, comme je vous ai dit dans ma vidéo hier, même en live, Alinea, je l'avais déjà chopé car elle gagne dernièrement. Merci le PMU à 7 contre 1. J'ai dit hier sur ma vidéo live. S'il reste à 7 contre 1, merci le PMU. Eh bien, aujourd'hui, merci le PMU. Quand je joue simple gagnant dessus, merci. Et surtout, en plus, quand je fais un couplet placé 13 et 11. Mais on va voir en dessous parce que c'était le couplet du jour. Voilà. Donc, Alinea, 7 contre 1, Visitor. Que moi, je voyais bon, dans le quintet, mais pas quand même aussi haut. Dommage parce que s'il venait juste après. Pardon. Ça, non, je pense pas. Non, ouais. S'il venait juste après, on aurait eu vraiment le tiercé dans mes bases. Mais bon, bien content que je touche des sommes ce soir. Donc, Visitor, le 15. Le 11, Bamour, que moi je voyais, il est là. Le 8, Duclès, ben, 4e, il est là. Le 14, Benoît Royal, à 103 contre 1. Benoît Royal, il faisait partie de mes. C'était mon 10e. Dommage, c'était mon 10e dada. Et qui finit en 6e? Eh ben, le 10. Donc si le 14 n'était pas là, hop, on aurait eu le quinté aussi. Bah bon, ça aussi avec des 6 ici, mais bon. Juste pour vous dire que le 6e, c'était le 10. Et hier, exceptionnellement, j'ai dit, je mets l'habitude de donner un 6, mais là j'ai dit exceptionnellement, je mets un 7e dada parce que ce 10, honnêtement, si c'est pas Bernard Piton, je dis tout ça dans mon live, même dans mon live en direct hier. Je le dis tout ça. Et dans ma vidéo en chaîne, je le dis. Ce qui me fait peur, c'est pas le cheval, c'est le driver. Et si vous le mettez, si vous voyez un jour le cheval à piton qui est monté par un crack driver, il faut tout mettre, hein, toutes les économies que vous avez. Parce qu'au lieu de faire sixième ce soir, si vous vous mettez un Ivar ou un Raffin, il fait quatrième. Même troisième peut-être. Voilà, mais bon, c'est les courses. Donc Benoît Royal, bien couru. Étonné de la cote si haute parce que quand même il avait fait des très belles courses dernièrement. Merci les PMU aussi, il fallait le trouver, il y en a, ils l'ont trouvé, bravo. Et dans le live de Max ce soir, j'en ai parlé un petit peu du 14, j'ai dit attention, c'est pas un âne, mais il rend 25 mètres. Boum, voilà. Donc je suis content, donc je vous donne 80% du quintet, dans les 4 premiers, donc c'est-à-dire que vous prenez tous les couplets, les simples, les multi, 2 sur 4, voilà, 2 sur 4, voilà, vous prenez mes 3 bases et vous prenez déjà 3 fois. Ah ouais, truc de fou. Donc, merci PMU, Alinea, 7,20€. 2,90€ à la place. 2,10€ le 11 à la place. Et les beaux, voilà. Les beaux, 6,30€. Le 13,11€, le couplet placé. Donc, il y en a, ils ont pu avoir le couplet gagnant s'ils ont joué les 6 chevaux que je vous donne. Mais moi, je préfère vous dire les gains que j'ai
dans mes bases, voilà. Mais après, en 6 chevaux, s'il y en a, ils ont pris le 15, ils auraient pu avoir le couplet gagnant, les bourres. Voilà, mais bon. Moi, dans mes bases, il y a 13 et 11, 6,30 €. Honnêtement, merci PMU. Le 2 sur 4, vous le prenez 3 fois, donc il faisait 6, 9, 10, 10,50 €. Donc, 10,50 € là, vous jouez 3 sur 4. 3 premiers, vous mettez 9 €, vous prenez 31 €. C'est pas mal. Ah oui, ça vaut autre que doubler la mise. Donc, après, là aussi, là c'est beau par contre. Hein. Vous aurez pu y mettre 3 bases. Et ben après, derrière, vous aurez mis une croix. Avec une croix, voilà. Et vous jouez mes 4 chevaux derrière. Donc, ça aurait fait 3, 6, 9, 12 € pour le métier 4. 12 €, vous prenez 150 €. Là, vous aurez pris une trentaine d'euros. Vous aurez tous les multis. En 6 chevaux, je vous donne le désordre. 37 €, c'est pas mal. Je vous donne aussi le quartier désordre. Donc, c'est le bonus. Dommage pour le quintet, hein, ce 14. Je l'avais mis un peu loin de ma liste. Et ce 10 qui finit 6e, dommage. Voilà, des très belles sommes là aussi. Bon, après, je veux dire, quand même des bonus. Mais bon, voilà. Alors, le couplet du jour, mes amis. Je vous ai dit hier dans ma vidéo. Attention, je ne voyais pas quand même les deux gagner parce que je pensais qu'il y avait Dioclès qui allait se mettre entre les deux, mais au final, c'est Visitor. Donc, mettez 20 € placés. Alinéa premier. Bamour. Je mets deuxième, mais il fait pas deuxième, je me suis trompé. Il fait troisième, pardon. Tellement dans le truc. Je préfère rectifier, sinon les gens. Hop là. Voilà, Bamour troisième. Couplet placé, 20 € fois les 630, boum, 126 €. Ben, c'est ce que j'ai pris. Voilà, ce soir j'ai pris ce couplet-là. J'ai pris la gagne. Parce que j'avais fait 10 gagnants et 10 gagnants. J'ai même pas joué le placé parce que je savais que ça allait faire 2 €. Bon, à la place, vous doublez, mais je préfère carrément jouer la gagne vu les cotes qu'il y avait. Je croyais que Bamour allait gagner, mais je me suis quand même couvert avec Alinéa que j'avais pris l'autre fois. Donc, merci Alinéa, c'était mieux la cote. 7 € sur 110 € plus je me prends presque 200 € entre le couplet et le simple. Voilà, donc c'est pas mal. Je vais la rajouter à mon petit tableau parce qu'à la fin du mois, je vais faire quand même aussi. Voilà, si on était en positif ou négatif. Hein. Le couplet du jour pour demain, mes amis. Réunion 4, course 5. Petite mise de 10 € placée. Parce que ce sera une course où il y aura beaucoup de, on va dire, d'outsiders et de favoris. Donc tout le monde a le droit de gagner. Max, il vous donne le 4, Far West du Rib. Voilà. Les deux chevaux qu'on vous donne, ce ne sera pas des gros favoris. Donc le couplet peut payer, même la place. Far West du Rib. Et moi, je vous donne le 11, Frenchman. Avec la famille Dubois, je crois que c'est Jean-Philippe. Ouais, famille Dubois, Frenchman, honnêtement, connaissant le chevau, je sais pas ce qu'il fout là. Voilà. Parce que quand dernièrement, pas ça remonte, mais ouais, peut-être l'année dernière, quand on a gagné Feliciano facilement, et que Feliciano il court contre Fast-Time Bourbon, Falco des Ripré. Vous me comprenez quoi. Donc Frenchman, à part s'il a eu beaucoup de soucis de santé, que pour moi c'est Frenchman, c'est vraiment un cheval de classe et peut-être que pas cette, je sais pas, j'aurais pas surpris que bientôt il va courir contre les Fast Time Bourbon. Hein. Voilà, parce que là je fais confiance à la famille Dubois. Voilà. Donc moi je préfère le mettre. Peut-être qu'il sera à 7 ou à 8 contre eux. Voilà. Donc si le couple y passe, ouais, il peut faire peut-être. Je sais pas. Pareil, entre les 6 et 7 €, je sais pas, peut-être voire même plus, hein, peut-être 10 €. Voilà mes amis. Donc moi je vous dis bon jeu et bon pronostic. Et conclusion de la soirée. Vous pouvez dire à tous merci à tout Duval d'Estaing, ce carnaval du Vivier, qui a dû manger beaucoup de tickets ce soir. Voilà. Ciao ciao!